Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean. Jean 5. Et nous allons commencer par le verset 32. Par le verset 31. Si moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle, qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a demandé d'accomplir, ces œuvres mêmes témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes. Mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Amen. Nous sommes dans un temps où Jésus confrontait les pharisiens, les scribes à une réalité dans laquelle la Bible nous dit que Jésus leur parla. Regardez ce qu'il nous dira. Il nous dira dans les versets 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Le Seigneur voulait nous montrer que dans la loi de Moïse, c'est pas là-dedans que se trouve la vie éternelle. La Bible nous dit que la vie éternelle se trouve en une seule personne. Amen. La vie éternelle, la Bible nous dit que ça se trouve en Jésus-Christ et en lui seul. Amen. Ce ne sont ni tes bonnes actions, ni tes mauvaises actions qui te donnent la vie éternelle. Mais c'est en Jésus seul que tu reçois la vie éternelle. Amen. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, ben alors pourquoi tant de choses nous ont été données si c'est seulement Jésus-Christ qui donne la vie éternelle? Je veux te dire que les lois et que toutes les choses qui ont été données avant cela a été donné pour rendre témoignage à la vérité, pour rendre témoignage à la sainteté. Je veux vous poser une question ce soir. Est-ce que vous avez vu sur toute la surface de l'humanité, en dehors de Dieu, est-ce qu'il y a de la sainteté? Est-ce qu'il y a de la vérité? Moi, j'aimerais vous dire ce que je vois quand je regarde autour de moi, quand je regarde les médias, quand je regarde tout ce qu'on nous propose. Je ne vois que de la tromperie, je ne vois que de l'impureté, je ne vois que du mensonge, je ne vois que toutes ces choses, parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout, qu'aucun n'est juste, pas même un seul. Aucun homme sur la surface de la terre est juste. Et la Bible voulait nous montrer, par les lois que Dieu a données, que dans tout ce que nous pouvons voir, nous allons reconnaître la vérité en une seule chose, par la sainteté et la pureté qui en découle. Et je veux vous dire que le seul qui était pur, qu'on l'a même appelé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Et en donnant sa vie pour lui,
modèle d'un nouveau genre d'homme qui commence à être créé sur la surface de l'univers. Amen. Nous avons pu voir que la loi a été donnée pour que Dieu puisse, pour que Jésus lui-même puisse la pratiquer. Nous avons vu les derniers temps, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir les Écritures. Amen. Et je veux te dire que si Jésus est venu pour les accomplir, il te demande, mon frère, ma soeur, d'en faire pareil. Il est venu pour créer un nouveau style d'être humain. Et comment il va les créer? Par la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est quand notre conscience prend réellement conscience qu'il y a un Dieu qui est là et que nous faisons aussi des erreurs devant Dieu. Amen. Ça, c'est une conscience nouvelle. Ça, c'est quand le Saint-Esprit commence à accomplir une action dans la vie d'un homme. Le jour où tu as commencé à connaître cette nouvelle naissance, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus jamais tranquille. Amen. Peut-être tu auras une envie d'aller vers les choses du monde, de goûter à ce que le monde te propose, de faire ce que le diable montre sur toute la surface de la terre. Mais je vais te dire qu'à cause de la conscience, tu ne vas pas être tranquille comme les autres. Amen. Et c'est pour cette raison que Dieu nous interpelle à marcher avec rigueur et à marcher avec sainteté en respectant sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a mis dans nos vies. Amen. Nous ne devons pas l'attrister en nous détournant des voies de Dieu, mais nous devons marcher d'après les règles du Seigneur. Amen. Et je veux vous dire que la marche avec Dieu n'est pas facile, mais quand ta conscience a été touchée par le Saint-Esprit, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de non-retour. Amen. Il n'y a pas de non-retour. Sinon, si tu fais un non-retour, tu fais Dieu menteur. Est-ce que vous êtes ici? L'apôtre Paul a dit que celui qui retourne au péché, c'est comme s'il recrucifie Jésus à la croix. Il est une interpellation, il est une conscience que nous devons garder pure devant Dieu. J'aimerais vous dire, oui, le diable va venir tenter, oui, le diable va venir séduire, oui, nous allons être saccagés par diverses pensées. Mais j'aimerais vous dire, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Dieu est un plan de grâce. Et je veux te dire que Dieu te demande une chose, de refuser quand le péché vient à ta porte. Dieu te demande de prendre position quand le diable vient pour te tenter, pour te détruire, pour te déstabiliser, même pour te décourager. Souvent nous parlons du péché seulement, de l'adultère, du vol, du mensonge, du meurtre. Mais je veux vous dire, mon frère, ma soeur, que le souci est un péché. Quand nous commençons à nous faire du souci pour le lendemain, quand nous commençons à nous faire du souci pour les choses de la vie, j'aimerais te dire que ça a la même conséquence du péché, parce que ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important et qu'on appelle la récolte. Amen. La Bible de Genèse a une histoire particulière. Et cette histoire est la suivante, je vais vous la raconter. Comme Jésus le racontait en parabole, je vais vous la raconter. Amen. Des fois nous lisons et nous lisons et nous lisons, mais nous ne comprenons pas les choses. Donc Jésus est venu et il a commencé à interpeller les hommes et les femmes par des paraboles, qu'on peut appeler des petites histoires. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en le racontant cette histoire, ça allait les marquer et quelque chose de particulier allait se produire dans leur vie. Amen. Avant de raconter cette histoire, nous allons parler d'une autre histoire. Et je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Marc, Marc 11, verset 1er. Marc 11, verset 1er. La Bible nous dit, lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem, de Béthphagée, de Béthanie vers le mont des Oliviers,
Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un âne attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Le Seigneur en a, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent trouver un âne attaché dehors, près de la porte, dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, mais que faites-vous? Et pourquoi détachez-vous cet âne? Ils répondirent comme Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'âne sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres les rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus qui est Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. La Bible nous raconte cette histoire. Et vous savez, le mot Béthanie veut dire quelque chose de particulier. Cet âne, la Bible nous dit, s'est trouvé pas n'importe où, il s'est trouvé à Béthanie. Et quand on regarde la traduction du mot Béthanie, Béthanie veut dire vallée de frustration, de découragement, de désespoir. Et nous voyons que cet âne était attaché dans son désespoir, dans son découragement, dans une situation qu'il ne pouvait pas gérer par lui-même. Il ne savait plus comment aller. Et la Bible nous dit que c'est de cet âne que Jésus s'est intéressé. Amen. Il a dit, allez à Béthanie, et quand vous verrez cet âne qui est attaché dans son désespoir, dans son découragement, dans une situation qui ne sait plus par où passer, vous le détacherez et vous l'amènerez à moi parce que je veux m'asseoir sur cet âne pour que ma gloire se manifeste. Amen. Peut-être ce soir tu es comme cet âne qui est là dans une vallée de désespoir, une vallée de soucis, une vallée de découragement, une vallée dans laquelle tu ne sais même plus par où passer. Mais je veux te dire que ce soir, le Seigneur vient pour te détacher de cela, pour qu'il puisse s'asseoir dans ta vie, manifester son règne et que sa gloire se manifeste. Amen. 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 Vous savez, quand cet âne a lâché cette chaîne de désespoir, cette chaîne de découragement, il y avait un nouveau poids sur sa vie. Et ce poids, c'était Jésus. Amen. Le nouveau poids qui est venu sur sa vie était le poids de Jésus. Et la Bible dit que son fardeau est doux, agréable et léger. Amen. Mais pour que cela puisse se produire, il a fallu que l'âne accepte de suivre. Est-ce que vous saisissez? Quand les disciples l'ont pris, si l'âne aurait refusé, l'âne n'aurait jamais rien vu. Il y a des fois des ânes qui refusent d'avancer. Est-ce que vous saisissez? Aujourd'hui, je n'aimerais pas que tu sois un âne qui refuse d'avancer. Mais un âne qui décide de dire, voilà Seigneur, je laisse cette vallée de frustration, cette vallée de désespoir, pour commencer à marcher dans le chemin que tu veux, pour que tu viennes t'asseoir sur moi. Amen. 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 Il a récolté non seulement Jésus, mais il a récolté les manteaux. Parce que la Bible dit que tous jetaient leurs manteaux, soit sur l'âne, soit par terre. Vous savez, c'est une image symbolique et une image prophétique. Pourquoi? Parce qu'un manteau vient pour nous recouvrir. Recouvrir notre... En l'occurrence, il a recouvert la nudité de l'âne. Parce que l'âne était nu.
aussi ici. Marcher nu, qu'est-ce que ça veut dire marcher nu? Marcher nu, ça veut dire marcher sans Dieu. Dieu était une couverture pour le premier homme. C'est pour cela que, jusqu'à ce qu'il a péché, l'homme n'avait jamais remarqué qu'il était nu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu l'enveloppait comme une couverture. Est-ce que vous saisissez? La nuit de Dieu était tellement présente qu'il n'avait même pas remarqué qu'il était nu. Mais quand le péché est venu, la première chose que l'homme a eue, il a eu peur. Et deuxièmement, il a reconnu, il a réalisé qu'il était nu. Amen. Et c'est pour cela que, quand cet amant n'avait ni habit ni rien, quand il a été détaché, la première des choses qu'ils ont mis, ils ont mis un manteau, un vêtement, pour enlever la nudité, pour enlever l'impureté. Amen. Devant Dieu, quand Dieu vient nous mettre un manteau, c'est un manteau dans lequel il vient nous couvrir de notre impureté, de nos actions, de nos péchés qui nous avaient détruits dans nos vies. Et la Bible nous dit, premièrement, ces manteaux viennent sur l'âme. Jésus s'assied dessus. Mais deuxièmement, ces manteaux allaient commencer à être posés sur le chemin pour que ton pied puisse marcher à l'aise dans le chemin que tu dois prendre. Amen. Vous n'êtes pas convaincu? C'est ce qui est écrit dans la Bible, regardez. Beaucoup de gens, dans le verset 8, étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres, les rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Donc Dieu voulait que notre chemin soit déjà tout tracé. Amen. Le manteau est là pour nous habiller, mais est également là pour recouvrir notre chemin, pour nous guider. Et la Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole est ce qui va commencer à nous couvrir. Oui, parce que le sang de Jésus nous lave. Mais ce qui va nous couvrir, ce qui va amener la sainteté dans la vie d'un homme, ce qui va sanctifier la vie d'un homme et d'une femme, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit avant de partir de la terre, la dernière prière qu'il a faite, la prière sacerdotale, il a dit, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. La vérité vous approchera et la vérité vous rendra réellement libre. Amen. Voilà ce que le manteau de ma parole va faire. Il va nous apporter la vérité et nous conduire, nous diriger dans le sentier de la vérité. Amen. Donc la parole est une semence, mais est également un manteau. Amen. Quand tu plantes du maïs, au début, ce n'est qu'une semence que tu jettes en terre. Mais quand cette semence a grandi, c'est devenu un manteau sur toute la surface dans lequel tu as planté la terre. Est-ce que tu vois encore la terre? Quand le maïs est grand, tu ne vois plus la terre. Si tu te promènes en avion ou en hélicoptère au-dessus d'un champ de maïs, tu ne vas plus voir la terre. Mais tu vas avoir un manteau qui recouvre la terre. Est-ce que vous saisissez? Trop souvent, on s'est arrêté à la graine. Trop souvent, on s'est arrêté à cette petite graine. Oui, mais cette graine, quand elle tombe en terre, elle doit d'abord mourir. Et ensuite, elle va produire du fruit pour recouvrir et habiller la terre. Amen. Dans ta vie, c'est pareil. Quand cette parole vient, ça doit faire mourir quelque chose. Mourir quelque chose de ta personnalité. Mourir à toi-même. Renoncer à ta vieille personne, à ta vieille manière d'agir, à ta vieille manière de te comporter. Pour que quand cette parole, quand elle arrive à maturité, ta vie te couvre de gloire. Amen. La petite histoire que je voulais vous raconter est la suivante. La Bible nous dit, dans un champ, un semeur a commencé à semer. Il a semé de la bonne semence. Mais pendant la nuit, un ennemi est arrivé et il a semé de l'ivraie. Et alors que
étaient tout petits, les serviteurs de ce maître viennent leur parler et leur dit: un ennemi est venu et a semé l'ivraie. Viens, leur dit-on, nous allons arracher l'ivraie. Le maître dit non. Laissez l'ivraie, laissez le bon grain pousser ensemble. Si vous arrachez maintenant l'ivraie, le bon grain va tomber avec. Et Jésus continue son histoire. Et nous dit, arrivé à maturation, le maître de la maison a dit à ses serviteurs: maintenant, allez dans le champ, sortez toute l'ivraie qui est dans le champ, avant la bonne semence. Et quand vous l'avez sorti du champ, mettez-le en gerbe et jetez-le dans le feu. Et ensuite, quand cela va être fait, à ce moment-là, vous allez prendre le bon grain et vous allez le mettre dans le grenier. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce champ dans lequel Jésus parle, c'est ton cœur. Chaque fois que la bonne parole vient dans ton cœur, qu'une parole de foi vient, le diable vient pour mettre le livret dans ton cœur. Et plus que tu vas commencer à grandir avec le Seigneur, tu vas voir qu'il y a deux choses qui commencent à se produire en toi. D'un côté, il y a une envie de servir Dieu. Il y a une envie d'aimer Dieu. Il y a une envie d'avancer avec Dieu. Mais tu vas voir une autre loi qui va venir contrer cette loi. Et souvent, cette question se pose, mais comment se fait-il que ces deux choses peuvent habiter dans mon cœur et se combattre jour après jour? Aujourd'hui, en ce temps de parole, je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons appelé le temps de la récolte. Amen. Et j'aimerais te dire que ce soir va être particulier, parce que ce soir, nous allons récolter toute l'ivraie qu'il y a dans nos cœurs. Tout ce que le diable a semé pendant des années avec la parole de Dieu, qui a grandi dans nos vies, nous allons enlever cela, nous allons d'abord récolter cela. Est-ce que vous saisissez? Le maître de la maison a dit: prenez cette ivraie, arrachez-le et liez-le au germe et jetez-le dans le feu. Est-ce que vous saisissez? Quand le Saint-Esprit vient, le feu de sa présence est également là. Mais maintenant, c'est lui qui veut faire un travail dans nos vies et dans nos cœurs. Et il veut te laisser l'opportunité de travailler avec lui pour que ton propre cœur puisse être transformé. Amen. Et ce soir, après, nous aurons un temps où pendant ce temps de prière, tu vas regarder tout ce qui est comme ivraie dans ton cœur. Amen. Tu vas regarder tout ce qui est comme ivraie. Et ensemble, nous allons prier ensemble pour que toute cette ivraie, nous allons l'arracher, le lier en gerbe, et ensuite nous allons appeler le feu du Saint-Esprit dessus. L'ivraie, soit les convoitises, les péchés, les addictions, les soucis, toutes les choses qui ont détruit ta vie, qui ont pourri ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tu voulais avancer avec le Seigneur, mais tu voyais que ces choses venaient de combattre sans cesse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi qui est venu dans ta vie pour semer l'ivraie. Et peut-être tu t'es posé des questions pendant un certain nombre de temps dans ta vie chrétienne, un certain nombre d'années, de mois, de dire: mais comment se fait-il que ces deux choses grandissent ensemble? Le maître de la maison te dira ce soir: laisse, parce que si j'enlève tout de suite l'ivraie, le bon grain ne résistera pas et mourra aussi. Est-ce que vous saisissez? Mais maintenant que la parole arrive à un temps de germination, arrive à un temps de maturation, c'est un temps maintenant pour d'abord où nous devons récolter toute l'ivraie, arracher toute l'ivraie pour le mettre au feu avant que le bon grain puisse être récolté. Amen. Nous voulons toujours récolter. Mais aujourd'hui, nous allons récolter. Amen.
Amen. Nous allons récolter pour mettre cela au feu. Et après, quand nous aurons fait cela, alors nous allons faire une autre prière encore. Où là, nous allons récolter le bon fruit. Amen. Amen. Vous savez, notre avenir en dépend. Les mois qui vont passer, les années qui vont passer, vont dépendre de nos récoltes. Amen. La Bible dit tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté dans le feu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes qui voulons être intelligents. L'intelligence est une vertu de Dieu. Ça nous apprend qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Amen. Après ce soir, mon frère, ma soeur, je t'encourage à prendre des nouvelles résolutions dans ta vie. Des fois, l'ivraie vient par une pensée. Des fois, l'ivraie vient par une parole. Des fois, l'ivraie vient par un comportement. Alors, j'aimerais te dire ce que le Saint-Esprit veut te dire ce soir. À partir d'aujourd'hui, tu vas être le producteur de ta propre semence. Est-ce que vous saisissez? Le producteur de ta propre semence. Si tu sèmes la parole de Dieu dans ton cœur, cette parole va germer la vie. C'est ça qu'on appelle la maturité chrétienne. Souvent, on nous parle de maturité chrétienne. Mais en entendant cela, j'ai réalisé une chose. C'est que malgré qu'on nous parle de la maturité chrétienne, bon nombre de croyants n'ont jamais arraché l'ivraie de leur vie. L'ivraie a toujours été là. Et je l'ai souvent dit quand j'ai prêché, souvent quand nous nous convertissons, quand nous commençons à marcher avec Dieu, nous sommes heureux et tout d'un coup il y a des petites pensées qui viennent nous perturber. Je le dis moi-même au début de ma conversion, quand je me suis converti, j'ai eu une pensée dans mon esprit qui me disait, voilà, j'ai jamais eu mon permis de conduire jusqu'à avant, maintenant je deviens chrétien, voilà, quand je vais avoir mon permis de conduire à cause de Jésus, je pourrais dire adieu à la foi chrétienne et retourner à ma vie comme je voulais. C'était une pensée qui est venue effleurer mon esprit, mais je n'y ai pas fait attention. L'ennemi est venu jeter un livret. Et pendant des mois, pendant plusieurs mois, pendant tout un temps, je commençais à avancer avec le Seigneur, à vivre avec le Seigneur. Et je ne poussais plus du tout à cet ivraie. Mais il y a un temps où est venu le temps de la récolte. Et le temps de cette récolte, ça a été le suivant, ça a été le jour où j'ai dû passer mon permis de conduire. J'avais réussi mon code, j'avais tout réussi à merveille. Et avant que j'aille passer mon permis de conduire, j'ai commencé à stresser. Et j'étais pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps de récolte qui devait venir. Alors je suis allé voir mon pasteur et je lui ai parlé, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais prier pour moi, je passe mon permis. Je ne suis pas tranquille, tu sais pas ce que j'ai. Et mon pasteur a prié, il m'a dit, ne t'inquiète pas, va en paix, le Seigneur va déjà te donner. Et quand je suis parti sur le chemin pour aller au permis de conduire, le Saint-Esprit parle clairement, il m'a dit, tu n'auras pas ton permis. Alors j'ai dit, au nom de Jésus, je chasse cette pensée, j'aurai mon permis. Et je suis allé. J'ai fait ce jour-là tout et n'importe quoi, au point où je n'avais pas du tout mon permis. Et quand je suis sorti, alors j'ai dit à Dieu la chose suivante, j'ai dit, écoute Seigneur, si toi tu veux que j'ai mon permis, je l'ai. Si toi tu veux, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Alors je rentrerai dans le ministère du plus grand autostoppeur du monde, dans lequel chaque voiture que je rentrerai, j'évangéliserai. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Mais je ne savais pas pourquoi je passais par ce temps. Et un jour, alors que je ne pensais même plus à ça, je n'allais même plus à l'auto-école, un jour Dieu me parle clairement. Il me dit, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas eu ton permis.
commence à m'expliquer, il me rappelle cette pensée que j'ai eue au début de ma conversion. Il m'a dit, je ne t'ai seulement pas donné le permis à cause de cette pensée. Et à ce moment-là, à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais aujourd'hui, je sais que c'était un temps où j'ai récolté quelque chose. Alors je me suis mis devant Dieu, je dis à Seigneur, écoute Seigneur, je reconnais que j'avais eu cette pensée. Je reconnais que cette chose était dans mon cœur. Bon, aujourd'hui, je te demande pardon. Et si toi, tu veux plus me donner le permis, alors c'est pas grave, parce que je sais que je te sers et que je marche dans tes voies. Et pendant des mois, je n'ai plus pensé au permis. Je dis, moi, maintenant, le permis, c'est fini. Et un jour, j'ai récolté un bon fruit. Quelques mois plus tard, je sortais d'une convention. Et le Seigneur me parle, il me dit, maintenant, retourne à ton auto-école, car je te donne le permis. Je n'étais plus allé pendant des mois à l'auto-école, je n'avais même pas un sou en poche pour payer. Et je suis allé à l'auto-école, j'ai parlé à l'auto-école, et je lui ai dit, voilà, je viens pour passer mon permis. Après des mois qu'elle m'a plus vu, qu'elle ne m'a même plus entendu, j'ai dit, je viens pour passer mon permis. Et la femme de l'auto-école, elle me dit, ça tombe justement bien, il y a quelqu'un qui vient de se désister, si vous voulez, vous pouvez passer demain. Et là, il y a une soeur qui m'a dit, voilà, moi j'ai un cœur, moi je te paye pour le permis. Il y avait les 400 ou 500 euros qu'il fallait régler. Je suis allé, j'ai roulé le soir même, pour un petit peu reprendre la main, et le lendemain, je suis passé mon permis et je l'ai eu. Amen. J'ai récolté le bon fruit. Et j'ai commencé à voir dans ma vie plusieurs étapes similaires dans lesquelles chaque fois, avant qu'une bonne bénédiction venait, il y avait un moment de périple. Et j'aimerais si vous regardez dans vos vies un petit peu ce soir, vous allez voir que souvent, avant que Dieu a béni, il y avait eu un moment de périple, un moment d'incompréhension, un moment où on ne saisissait pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous ouvrir les yeux, nous ouvrir l'intelligence pour nous faire comprendre qu'il y a plein de fois où nous récoltons l'ivraie. Est-ce que vous saisissez? Parce que, de la même manière que la parole de Dieu gère, de la même manière le diable va vouloir faire germer une autre semence dans nos vies qui s'appelle l'ivraie. Et manque de connaissances, mon frère, ma soeur, nous pouvons périr. Parce que nous ne comprenons pas ce que c'est livré. Et au lieu d'attendre le moment propice pour que nous-mêmes nous puissions arracher cet ivraie et le mettre au feu, nous récoltons souvent l'ivraie. Et l'ivraie peut nous amener des fois dans des situations catastrophiques, désastreuses. Amen. Désastreuses. Et quand nous voulons aller plus loin avec Dieu, c'est le diable qui a mis une tonne d'ivraie dans nos vies. Autant que Dieu a mis les bonnes choses, alors nous commençons à louer, nous commençons à adorer. Vous savez ce que c'est la louange? La louange est le symbole de la pluie. Qu'est-ce que la pluie fait? Quand la pluie vient, elle fait germer toutes les semences. Vous avez jamais vu? C'est pendant les temps de printemps ou d'automne, là où la pluie est le plus forte, que les belles plantations sortent, mais également toutes les mauvaises herbes, toutes les orties, toutes les ronces, ils sortent de la terre quand la pluie est là. Est-ce que vous saisissez? Et qu'est-ce que fait un bon jardinier? Il attend que c'est un petit peu poussé, et quand il voit que ça a pris une certaine taille, il n'attend pas que ça arrive à une autre taille, il l'enlève délicatement. Ça, c'est ce que fait un bon jardinier. Un mauvais jardinier va faire quoi? Il va tout laisser, vous voyez, les mauvaises herbes vont détruire les bonnes semences, et à la fin, il n'y aura rien. Ça, c'est un mauvais jardinier. Amen. Et ce soir, je veux te dire que bon nombre de croyants sont devenus des mauvais jardiniers de leur âme, des mauvais jardiniers de leur cœur. Pourquoi? Parce que le manque de connaissances a commencé à les frustrer, à les détruire et à les tuer. Oui, ils avaient des bonnes motivations. Oui, Dieu avait mis des bonnes choses en eux.
Amen. C'est pour cela que ce soir, je te parle de la double récolte. La première récolte n'est pas une récolte pour nous, mais une récolte à jeter pour le feu. Quand les enfants d'Israël sont entrés dans le pays d'Israël, la première récolte du pays, ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Parce qu'ils savaient que s'ils touchaient à cette récolte, la mort allait s'abattre sur eux. Quand ils sont arrivés à Jéricho, cette ville vouée à la malédiction, il y avait des bonnes choses, oui. Il y avait de l'or, de l'argent, tout ce qu'ils avaient besoin. Mais pourtant, Dieu a dit, si tu touches à ça, tu mourras. C'était la première récolte d'Israël. Le premier temps où, de cette même ville de Jéricho, ils ont ramené des raisins qu'à eux, ils devaient porter une grappe. C'est de la ville de Jéricho. Mais pourtant, de cette récolte, ils ne l'ont pas touché parce que c'était livré. Un homme a touché Akab. Et cet homme a causé la mort, sa propre mort, et la mort de toute sa famille et de sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il a touché à l'ivraie, il a touché à l'interdit. L'ivraie dans nos vies est comme l'interdit. Dieu dit, tu ne touches pas. Et l'ivraie est là pour te dire, maintenant, c'est le moment où tu peux toucher. Amen. Et la première ville d'Israël, Jéricho, a été vouée totalement à l'interdit. Dieu en a détruit les murailles. Dieu en a détruit les fondations. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Tu mettras cette ville au feu. Amen. Tu mettras cette ville au feu. Dans ta vie, il y a une ville que tu dois mettre au feu. Et cette ville s'appelle l'ivraie. Cette ville, c'est ton Jéricho. Cette ville, c'est le temps où le désespoir vient se complaindre, où le péché vient se complaindre, où le souci vient se complaindre. Mais ce soir, c'est un temps où toutes ces choses doivent être récoltées pour être jetées au feu. Amen. Mon frère, ma soeur, le péché te témoigne de Dieu. Mon frère, ma soeur, le souci t'éloigne de Dieu et te détruit. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mon but ce soir, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas de vous dire « Oh, mon frère, ma soeur, tu as une vie misérable. » Mon frère, ma soeur, en Jésus, tu as une belle vie. Amen. Tu as une belle vie. Si le Jésus que je sers, le Jésus que je prêche, est mort pour vous donner la vie, alors ta vie ne peut qu'être belle. Amen. Ce qui t'empêche de voir cette réalité, ce qui t'empêche de voir la réalité de Dieu, c'est cette ivraie qui te détruit. Amen. Et c'est pour cela que ce soir, ce n'est pas une soirée où je vais imposer les mains à la fin, où je vais prier pour 50 000 sujets. Ce soir, c'est le temps de la récolte. Amen. Ce soir, c'est un temps où toi seul, tu dois être avec Dieu. Moi, je suis simplement là, un instrument, pour te montrer le message de Dieu. Mais après, ce sera à toi, pendant le temps de prière, de prendre cette décision avec Dieu, de dire, Seigneur, maintenant, j'arrache cette ivraie. Aussi vrai qu'il me fait mal, aussi vrai qu'il me détruit, aussi vrai qu'il me fait souffrir, je l'arrache de ma vie. Amen. Le manque d'amour fraternel, le manque d'amour pour autrui. Le temps où nous voulons vivre simplement pour nous-mêmes. Le temps où nous étions même cupides, centrés sur nous-mêmes et ne regardions à personne d'autre. C'est une destruction. Amen. Être chrétien n'est pas être nombrilisme. Regardez seulement sur nous. Si moi j'ai tout ce qui va, je m'en fous du reste. Ça, ce n'est pas agir comme Dieu veut. Amen. Il y a un fardeau qui doit commencer à venir. Un fardeau. Dans lequel, Seigneur, il y a tant d'hommes qui souffrent. J'ai réalisé ces derniers temps qu'il y a tellement de malheureux,
d'hommes, de femmes qui sont loin de Dieu sur toute la surface de la terre. Et plus que des fois, je regarde. Ce fardeau grandit et grandit. Et je vais m'arriver à dire à Dieu, mais Seigneur, comment pouvons-nous aider cette plus grande, cette grande masse? Comment pouvons-nous aider tous ces hommes et ces femmes? Nous sommes que des hommes. Amen. Mais le Saint-Esprit pourrait nous sortir de nos mentalités. Amen. Pour pouvoir avoir la passion de ceux qui souffrent, des malheureux. Parce que pour moi, un malheureux, c'est un homme qui vit sans Dieu. Amen. Le premier malheureux, c'est un homme qui vit sans Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Et un homme qui vit sans Dieu, malheureusement, va tout droit en enfer. Est-ce que vous comprenez? Et à cause des fois de nos ivresses, de nos soucis, de nos tracas, des choses qui viennent nous perturber, pourquoi le diable vient mettre ça dans ta vie? Pour que tu ne puisses pas avoir le fardeau de Dieu. Pour que, quand Dieu parle, tu ne fais même pas attention. Oh, Dieu dit une belle parole. Mais tu sais, Seigneur, j'ai tellement de soucis. Mais tu sais, Seigneur, je suis tellement découragé que je... Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, regarde autrement et commence à traiter l'ivraie dans ta vie. Amen. Le jour où tu seras devant Dieu, le Seigneur ne va pas te dire, « Oh, tu sais, tu avais une vie désastreuse. » Le Seigneur ne va pas dire ça. Le Seigneur va dire, « J'ai tout donné pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Est-ce que c'est ici? Tu as tout donné. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a tout donné. À cause de son amour pour toi et moi, il t'a tout donné. Alors maintenant, toi-même, tu as intérêt de marcher avec Dieu et de dire, « Seigneur, moi aussi, de la même manière que toi, tu as tout donné, moi, je vais me donner totalement à toi. » Voilà ce que Dieu veut entendre. La vie, oui, n'est pas toujours facile. Mais j'aimerais te dire, si tu enlèves un peu l'ivraie, tu vas voir la beauté de la vie. Amen. Des fois, c'est comme si on a du caca dans les yeux. On a l'impression que tout est moche, tout est désastreux. Mais on a simplement besoin de nettoyer. Et on va voir que tout est clair. Amen. Amen. L'aveugle était une belle image. La Bible nous dit qu'un aveugle vient chez Jésus. Il ne voit rien. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il ne voit rien parce que ses yeux sont sales. Alors je vais nettoyer. Il a pris de la boue, pouf, il a craché dessus. Il a pris de la terre, il a craché dessus, il a fait de la boue. Il a dit, viens, je vais te donner le savon naturel. Et il lui met sur les yeux. L'aveugle ne voit rien. Il lui dit, c'est normal, j'allais les yeux sales, battre, laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyer. L'aveugle ne va. Il se met à cette fontaine, à ce réservoir de Siloé. Il se lave les yeux et tout d'un coup, il voit. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme cet aveugle, j'y vois rien. Pourquoi l'ivraie est venue à détruire? Alors Jésus dit, je vais te nettoyer les yeux. Amen. Ce verset est une double révélation. Premièrement, une révélation pour la guérison de l'aveugle, mais deuxièmement, une révélation pour le monde des croyants. Parce que Jésus, combien de fois a dit, les pharisiens, les scribes de l'époque, il a dit, vous êtes des aveugles qui conduisaient des aveugles. Vous êtes des aveugles! Il leur a dit, vous êtes remplis de méchanceté, vous êtes plein de rapines dans vos cœurs. On revient, une rapine. Une épine, une épine, quelque chose qui vient, une mauvaise herbe qui a poussé dans leur cœur. Jésus leur a dit, vous en êtes plein. Pourquoi? Parce que vous faites des belles prières, vous faites des belles démonstrations devant les gens. Mais à l'intérieur, vous êtes pourris parce que vous n'avez jamais enlevé tout ce qui était là, pour tout ce qui était livré dans le cœur. Amen. Amen. Ce soir, c'est vraiment...
un temps de réflexion, un temps où j'aimerais t'inviter à réfléchir, et un temps de détermination où j'aimerais t'encourager à prendre une ferme décision ce soir avec Dieu. Amen. Pas seulement lui dire « Jésus, je t'aime, je veux te suivre ». Non, pas seulement ça. Mais de dire « Seigneur, maintenant ce soir, je vais commencer à arracher le vrai pour la jeter au feu. » Amen. 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 Détachez-vous du péché. Détachez-vous des soucis. Détachez-vous des frustrations. Détachez-vous des tracas. Aujourd'hui, ça va être ça la prière qu'on va avoir devant Dieu. Amen. Ça va être notre prière solennelle. Il y aura un temps, pas aujourd'hui, une autre journée pour prier pour les sujets, les autres sujets, mais ce soir, c'est un temps de récolte. Amen. Nous allons prier ensemble. Maintenant, c'est un temps où tu te mets devant Dieu. Voici les lettres, vos écrans. C'est un temps maintenant solennel dans lequel vous pouvez faire un bilan avec Dieu. Oui, il y avait de la bonne semence dans vos vies. Il y avait des bons projets. Il y avait des bonnes directions de la part du Seigneur. Des belles promesses que Dieu a données. Mais en grandissant avec le Seigneur, quelque chose s'est passé dans vos vies dans lesquelles vous avez vu qu'il y avait aussi une autre semence qui vous désespérait, une autre semence qui vous décourageait, qui des fois même vous angoissait, qui vous faisait même peur, qui vous ramenait un souci. Alors ce soir, c'est le premier temps de recolte. Maintenant, c'est un temps où, là où tu es à ta place, devant le Seigneur, ce n'est pas devant un homme, ce n'est pas devant moi, c'est vraiment devant le Seigneur. Tu vas commencer à arracher cet ivraie. Tu puisses sortir de ces lieux en étant libre. Libre de tous ces tracas, libre de tous ces ivraies qui te détruisaient. Pouvoir changer de manière de vivre en étant une nouvelle personne. Prions ensemble pour l'instant. Seigneur, je viens ce soir avec la vie des frères et des sœurs. Seigneur, nous reconnaissons combien l'ennemi est venu mettre l'ivraie. L'ivraie dans nos cœurs, l'ivraie dans nos vies, l'ivraie dans l'église. Livrés dans nos familles, livrés dans notre entourage, livrés des fois dans les couples, dans les foyers, dans les enfants. Seigneur, nous ne voulons pas faire comme l'autruche qui met sa tête dans le sable et qui ne peut pas voir la réalité, mais nous voulons voir cette réalité en face. Nous voulons ce soir arracher une vraie. Ce soir, nous voulons commencer à prendre cette ivraie qui est dans nos cœurs. L'amertume, la haine, la rancœur, l'angoisse, les soucis, les peurs, l'adultère, les critiques, la méchanceté, l'animosité. Nous voulons commencer à les arracher maintenant. La cupidité, l'idolâtrie, la désobéissance à ta parole. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole que la désobéissance est semblable à la divination. Toutes les fois où nous avons désobéi, où nous avons péché, volontairement, Seigneur, nous voulons nous humilier ce soir. Et arracher, Seigneur, cette ivraie, l'arracher maintenant.
C'est pensé mauvais, c'est pensé insidieux, qui venait chaque fois pour corrompre la parole. Oh, dès que j'ai ma guérison, je quitte l'église. Oh, dès que j'ai ma délivrance, je quitte l'église. Oh, dès que j'ai trouvé la personne que j'ai besoin, je quitte l'église. Dès que j'ai peut-être trouvé mon mariage, je quitte l'église. Dès que j'ai eu un bon travail, je quitte l'église. Oh, dès que j'ai plus rien à faire dans l'église, je la quitte. Combien de fois c'est comme ça sont venus. Combien de fois quand nous étions avec des amis, quand je n'ai plus besoin de cette personne, je n'ai plus besoin de parler avec elle. L'ivraie est venue. Combien de fois nous parlions avec une personne et tout de suite nous commençons à soupçonner. La Bible dit que l'amour parfait ne soupçonne pas le mal, mais pas du tout crainte. L'ivraie est venue. Combien de fois quand une personne n'a pas fait comme nous avions voulu, nous nous sommes énervés, enflammés, parce qu'elle ne nous avait pas écoutés. Mon frère, ma soeur, c'est un livret. Parce que Dieu t'a laissé une liberté et il aimerait que tu la laisses également aux autres. Et j'en passe et tant d'autres. Ces choses, alors que je suis de là devant, c'est en train de venir à mon esprit. Plusieurs peut-être se sentent concernés par l'une ou l'autre de ces paroles. Je commence à dire, Seigneur, je reconnais ça. Ça, c'est l'ivraie que le diable a mis dans mon cœur. Ça, c'est l'ivraie que le diable a mis dans mon cœur. Commence à dire l'ivraie, à nommer l'ivraie. Et dis, c'est ici, il y a autre chose qui va venir. Prends, dis, Seigneur, viens aussi cette ivraie qui est là. Cette addiction qui est là. Cette rancœur qui est là. La rancœur. L'ivraie de l'incrédulité. Plusieurs fois, cette ivraie vient attaquer la vie des hommes et des femmes en disant, est-ce que tu es sûr que Dieu existe? Est-ce que tu crois vraiment que tu existes et que toutes ces histoires sont vraies? Alors qu'au début, tu étais convaincu. Là, dit Seigneur, il y a un livret de l'incrédulité qui est là. Oh Seigneur, oui Seigneur. Je vois que l'incrédulité touche énormément. Et Seigneur, aujourd'hui, avec mes frères et mes sœurs, nous arrachons cet livret. Arrachons cet livret de l'incrédulité. Nous arrachons, Seigneur, tous les refus de croire aux promesses que tu nous as données. Aux promesses personnelles que ton communautaire, nous l'arrachons maintenant. Parce que nous savons que c'est vivrait, que l'ennemi est venu être livré, nous arrachons ça du cœur. Et dis maintenant avec moi cette prière, dis Seigneur maintenant. Je prends tout cet ivraie. Et maintenant je la lis au jet. Sous l'autorité de ta parole. Je la prends maintenant. Je la place sous l'autel. Et je déclare le feu de cette souche. Je ne veux pas récolter matériellement, physiquement, spirituellement le résultat de cet ivraie. Alors je déclare le feu maintenant. Je jette cet ivraie dans le feu. Avec tout cet héritage dans le feu. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et maintenant, le Saint-Esprit veut que tu fasses quelque chose, il veut que tu commences à récolter le bon fruit. Il y a des promesses que Dieu a données. Il y a des paroles que Dieu a dites. Il y a des choses qu'il t'a données personnellement, soit par prophétie, soit dans la parole. Un nombre incalculable de promesses qui souvent t'ont touché.
Dès que cet hiver commence à détruire, à ronger, à bouffer. Alors comme on rappelle à Dieu les promesses. On a entendu Seigneur, maintenant je vais récolter les promesses. Tu as des plans de bonheur pour te donner des plans de paix, pour te donner un avenir et l'espérance. Seigneur, avec mes frères et mes soeurs, maintenant nous voulons récolter. Que cette année 2014 soit une année de récolte de tes promesses, où nous voyons les promesses s'accomplir les unes derrière les autres. Seigneur, au Dieu, où nous voyons ce que tu as dit s'accomplir, car tu as dit ta parole s'accomplira certainement, même cette année arrivée, elle s'accomplira certainement. Et Seigneur, au Dieu, au roi, ce soir, nous voulons déclarer le temps de la récolte, nous voulons déclarer le temps de la victoire, nous voulons déclarer le temps de gloire, nous voulons déclarer, Seigneur, une ère nouvelle, l'ère de la victoire. Tu as dit, Seigneur, par la bouche du psalmiste David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le psalmiste David, Seigneur, a réussi des fois à récolter des moments d'ivraie, mais à un moment, il a su arracher cet ivraie. Il a su enlever cet ivraie. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons aussi nourrir en tant que tes enfants. Seigneur, entrez dans l'héritage que tu as donné. Comment ça déclarer, dit Seigneur, chante dans l'héritage. Chante dans l'héritage. Chante dans tes promesses. Chante dans ce que tu avais prévu, prédestiné pour moi dès la fondation du monde. Moi, je ne sais plus mes prêts de voler, car aujourd'hui je suis clairvoyant. Aujourd'hui j'ai compris. Aujourd'hui je vois. Et aujourd'hui je veux m'attaquer à cet hiver. Je ne veux plus laisser livrer, croire et me détruire. Mais je veux détruire. Je veux reconnaître quand il fait bien. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis pour ce temps de parole. Seigneur, pour ce temps de parole qui nous a fortifiés, qui m'a fortifié, qui a fortifié la vie de mes frères et mes sœurs, qui a fortifié les internautes. Et Seigneur, nous voulons être comme ces paysans qui engrangent cette moisson, les moissons du bon grain. Les moissons du bon grain. Je te bénis. Et je t'exalte. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui fais quelque chose de spécial dans les cœurs en cet instant. C'est toi qui fais quelque chose de nouveau dans les vies maintenant. C'est entre toi et eux, Seigneur. C'est entre toi et ton peuple ce soir. Derrière les écrans, tu fais quelque chose de spécial à travers cette vidéo. Tu as accompli quelque chose de spécial à travers cette vidéo. Merci Saint-Esprit pour ta transformation, ton miracle. Que ta paix, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous et nous raccompagne dans nos demeures. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez-vous le Seigneur.